On va sprinter un petit peu. Donc merci énormément pour les 5000 vues. Hein. Je veux dire... C'est juste énorme. Moi ça me fait halluciner. 5000 vues, mais... Faut se rendre compte de la quantité que ça fait quand même. Hein. C'est énorme quand même. Tiens, un argonien. Qu'est-ce qu'il a à me demander lui? Je vais poser mon cheval, hein, on s'en fout. Argonien. Bonjour frère, vous me semblez là. J'ai quelque chose pour vous aider à vous détendre, si ça vous intéresse. Pourquoi ça pue l'embrouille son truc? De quoi parlez-vous? Le meilleur skooma, le sucre lune le plus doux, à un bon prix bien sûr. Ah, j'en étais sûr. Ouais, ça n'a pas l'air bien légal, c'est vrai, mais tant qu'à faire, donne-moi-en. Donnez-moi tout ce que vous avez et nous oublierons toute cette affaire. Non, ça ne marchera pas comme ça. Ah, merde. Oh, ok. Non, Lydia, le frappe pas. Non, c'est dommage, je voulais me le faire au point. D'ailleurs, tu ressembles à rien, hein. Vraiment. Vraiment un argonien moche, hein. Ah non. J'ai les flammes. Ah, bon, vous savez quoi, et puis, oh, fuck it. Merde. Ah. Il se calme? C'est quoi? Oh non, Lydia! Je voulais l'achever au point, t'es chiante. Voilà. Au final, j'ai quand même eu le skooma. Oui, je prends tout. Sérieusement. Sucre lune. De la sève de l'arbre endormi. Non! La santé augmente de 100 points par 45 secondes. Alors ça a l'air d'être complètement craqué. Oh là là. Ah, excellent. Bon bah go. Hein. Ah, je prends trop de choses pour courir. Lydia. Je suis derrière. Ah, c'est vrai que là, elle a gâché le délire. Là. Ça aurait été bien qu'elle évite de le frapper, puisque a priori, il voulait se battre au point. Bah, moi, j'allais me battre au point avec lui. Hein. Alors, Lydia, tu vas prendre ça. La masse. Tenue. Tu vas prendre l'armure cloutée, que j'ai taxée sur le géant. Les bottes raffinées, les gantelets de fer. Non, ça, je garde. Oh, le vagin noir. Vêtements raffinés. Pourquoi j'ai pas vendu tout ça? Voilà. Ça, je suis un peu plus léger. Passez devant. Hop, on va peut-être prendre une arme. Allez, on est parti. A priori, c'est ici. Est-ce que je suis au bon endroit? Ah non, même pas. Ah, j'aurais pas dû poser mon cheval en fait. Oh, on va finir à pied, hein, vous savez quoi. Ouais, je l'avais déjà nettoyé ce fort, je me souviens. Voilà, oh, regardez-moi ces montagnes. Comme elles sont belles. Hein, c'est juste énorme. Ah, lui, il est derrière cette montagne-là, en fait. Alors là, ça pue les monstres. Ça, je vais me faire attaquer de tous les côtés. Là, il y a une grotte à découvrir. Vapeur toxique. Hop. Ah, je vais y arriver.
Vous savez quoi, j'ai pas grand chose à vous dire, hein, parce qu'en fait, au final, vos commentaires étaient assez basés sur des choses à faire. Oh non, à cause des cailloux, je l'ai raté. Ah mais il va peut-être bugger. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Tout ça, ça m'intéresse. Vous m'avez surtout demandé des choses techniques, en fait. Et concernant vos questions, j'ai répondu en début des... En début de session, donc voilà. Hop. Même plus ça m'inquiète en fait, les loups. Ouais, ils te mettent deux coups de morsure, mais... Oh, elle était belle cette action. Non, reste là. T'en vas pas. Maintenant, vas-y, je m'en fous, dégage. Voilà, allez, vas-y, roule. Qu'est-ce que j'en ai à foutre. Oh. C'est quoi ce truc? Ah oui! Et ça c'est... Ah oui, ça c'est les guerriers Alikir. Hein. Ah non, c'est un Atronach de feu! Ah oui, quand même! Alors ça quand même, c'est une sacrée bestiole. Hein. Pas très résistant, mais de la très haute magie. Des selles de feu. Alors ça je connaissais pas. Oula, oula, oula. Ah oui, bah ça explose quand c'est mort. Ah, vous voyez que c'est un mob qui est quand même super beau. Hein. Quand même super, super beau. Là, encore une fois, c'est très beau graphisme de la part de Bethesda. Hein. Bon, moi j'ai pris un coup de flamme dans la tronche. Ça fait pas trop du bien. Ah, c'est là. Ça doit être derrière ces rochers. Alors, ceci est une quête que je n'ai jamais fait. Hein. Faite. Ceci est une quête que je n'ai jamais faite. Puisque, je sais pas, ça ne m'intéresse. Oh, un camp de géants. On retente notre exploit non. Non. Je m'amuserais à tuer des gens quand j'aurai plus de level, puisque là c'était assez compliqué et ça méritait énormément de stratégie. Voilà, on est arrivé. Non, mais. Non, c'est une quête, je m'étais jamais vraiment intéressé. Tanière de l'escroc. Ah ouais. Vous avez mal choisi votre moment pour vous faire. C'est moi qui choisis mon mauvais moment. En plus, elle se croit fière quand elle dit ça. Vous avez mal choisi votre moment. Non. Ça, c'est pour moi. Petite sauvegarde. Nous voilà dans une grotte. On est censé assassiner quelqu'un. Je ne sais pas si j'aime ces guerriers Alikir qui se cachent là-bas. Ils ne me disent rien qui vaille. Gardez ça pour vous. On ne nous paie pas pour parler. Ils partiront dès qu'ils auront trouvé la personne qu'ils cherchent. Et nous n'en aurons que plus d'armes.
Ok, donc a priori, d'après ce que je viens d'entendre, il y a un super partenariat. Il faudrait qu'ils arrêtent de bouger, ça serait cool. On n'est pas repéré. C'est juste un départ. Pour l'instant, ils ne nous ont pas repéré. Ah, ça me fait de belles jambes, moi, s'ils s'en vont. A priori, c'est bon, je suis recaché. Et ça, c'était une attaque furtive. Oh, Lydia a sorti les spadons, hein, bien sûr. Ça, c'était gratuit. Hop, 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 ça a aucun intérêt. Bon, les flèches, tant qu'à faire. Ah non, ça, je m'en fous. Hop là. C'est quoi ça? Oh, ça se ramasse pas. Hivernel. Aïe. Sur la table. Ouais, 2-3 trucs sympas. Oh, de l'hydromel, du pain, de l'hydromel. Bouteille de vin vide. Je vais pas prendre du vin qui est vide. Donc comme je le disais, il y a un partenariat a priori entre les guerriers à Lykir et... Et entre les bandits qui occupent cette grotte. Bon, ils ont été payés, ça paraît logique. Ça, c'est les Alikir. Vu la hache qu'il a, le mec. Ok, je suis repéré. Ça, c'est un orc. De l'or, ça je m'en fous. Je m'en fous. Hop. Esquive des flèches. Pourquoi t'as pas dit je ne quitterai jamais bord de ciel en vie? Pourquoi à chaque fois ils sont si persuadés qu'ils vont vivre et que je vais mourir? Non mais... Je suis un peu fatigué là. Il se faisait cuire du Ragnar, c'est cool. Ça vous donne pas faim? Non? Vous êtes sûr? Non mais Lydia, elle y est pas allée quand même. Vous allez mourir. Attendez. Oh, c'est Lydia qui allait leur taper dessus. Le problème c'est que là j'ai trop de choses sur moi là. Ah ouais. Allez-y, partez devant. Je pourrais ainsi vous poignarder dans le dos. Voilà, Lydia, reviens ici. Voilà, on est coincé dans un tout petit endroit. Il faut que je vise le mage en premier. Vous allez parce que c'est lui qui va causer des problèmes. Voyons de quoi vous êtes capable. Vous n'avez aucune chance, vous allez payer. Oh là là, ça me saoule. J'aimerais filer mon matos à ma Lydia. Et ils sont en train de tous passer un par un mourir là. Voilà. Quelle complexité pour filer du matos. Voilà, merci. Vas-y, viens. Non. Non. Oh là là, je vais pas y arriver. Ça c'est pour toi ma grande. Niveau de tenue. Ça c'est pour toi. Eh, bottes de fer 6 j'en ai. Bah 5 hein, tu m'en laisses une paire, ce serait cool. Qu'est-ce que de fer raffiné? Quand les de fer je te donne, ça je garde. Qu'est-ce que de fer, j'en ai 2, tu prends les 2. Puisque le mien il est raffiné. Bon, j'ai un peu plus de place là dans mon inventaire.
C'est quoi? J'ai trop de... Voilà. Allez, miam, 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 miam. Mange. Oh, les carottes, c'est bon les carottes, comme ça, ça fait remonter ma vie aussi. Le chou, la cuisse de lapin, côtelette de venaison, c'est très bon ça tout ça. Vous allez me dire c'est bon j'ai de la vie, ouais mais c'est lourd toute cette merde. Ah ouais parce que 10 carottes en fait ça fait un poids de 1. Quand vous en avez 40 ça fait quand même 4. Eh, pas croire hein. Voilà. Oh non. Pff, oh, vas-y garde le casque, tu m'as gonflé. Eh bah comment dire, il y a un sacré paquet de morts ici. Vous savez quoi, je prends que ce qui est vraiment nécessaire, tu vois, ce qui veut dire l'or, l'armure cloutée, non. L'or, là, il a quoi? De l'or. Pioche, flèche d'acier. Oh, flèche d'acier, flèche d'acier, ah, ça m'intéresse ça par contre. Ouh, espadon d'acier, ça, ça m'intéresse aussi. Bon, Lydia, tu sais quoi? Garde le casque. Ah, quelque chose que j'ai pas compris par rapport à Skyrim, c'est que tout ce qui est femme, en fait, leur casque, quand il y a des cornes, les cornes sont recourbées. Et j'ai pas compris ça, par contre. Pourquoi ils ont fait les cornes recourbées aux femmes et pas aux hommes? Ok, ben on avance. Hydromel. 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 Non, c'est vrai que tout à l'heure j'ai mangé tout, un peu tout ce que j'avais. Et c'est pas ça qui pèse le plus lourd. Ce qui pèse le plus lourd, c'est le fromage en fait. Ouh. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le jackpot. Avec une bourse en plus. Ok, d'accord. Sympa quand même. Où est-ce qu'on va maintenant, Lydia? On continue à explorer cette grotte, hein, tu sais quoi. Bouteille de vin vide. A priori, ils se font vraiment chier. Ils doivent vraiment s'emmerder. Ça, c'est de la ramure, ça. Tiens, un coffre. Voilà, des choses intéressantes. Évidemment. Les paniers, je les ramasse moi maintenant. Vu qu'on peut faire du vol avec. Foutant sur la tête des gens. Là, ça c'est de la récolte. Sac de couchage. Voleur. Valeur de 60. Donc, c'est du level up. Et non. Pas de level up. Je suis étonné. Tiens, ça m'intrigue d'ailleurs. Bon, on va le prendre, vous savez quoi? On va le prendre. Je suis étonné, d'habitude, ça fait faire du level up les livres supérieurs à 50. Filet de saumon, là, il y en a. Mais à mourir, il y en a. Les pattes de lapin crues et tout. C'est énorme. C'est incroyable la quantité de bouffe que je suis en train de ramasser dans ces grottes. En fait, c'est assez rentable hein, d'aller faire l'assassinat de Kemadu. Hein. C'est assez rentable hein, finalement. Voilà, par contre. Hop. Où est-ce que je suis? Lui, en fait, il est là. Ouais, c'est ça, j'ai fait comme ça alors que j'aurais dû aller le voir. Voilà. Ah, j'ai fait un petit détour là, bon c'est pas grave. On va hop suivre le pointeur. Ça fait peur toi, qu'est-ce qu'il y a là? Ceci est un argonien buggé puisqu'il n'a plus de torse. Ah voilà, par là je t'ai jamais encore passé.
Ah, excusez-moi pour le lag, hein. Ça c'est l'eau qui fait ça. Vous avez trouvé votre force, évitant toutes les questions de ce. Je crois que nous avons des choses à nous dire. Tuer Kematu ou parler-lui. Vous savez quoi, on va faire ça soft. Pourquoi j'irais le buter sans raison alors que je pourrais lui parler? Je continue à faire mes courses, hein.